Ils ont revêtu leur nouvelle tenue. Fini les vacances, c'est la rentrée pour les footballeurs du FC Istres. Après une série de matchs amicaux, les Violets commencent leur saison samedi par un match éliminatoire contre Ajaccio en Coupe de la Ligue. Une coupe qui fait envie, mais l'objectif de la saison reste le maintien. C'est surtout de ne pas stresser jusqu'à la 37e journée, de ne pas attendre la 37e journée pour assurer un maintien. Mais c'est surtout aussi prendre du plaisir et faire plaisir, même s'il n'y a pas beaucoup de monde à Parsemin, donner du plaisir aux gens qui vont venir nous voir jouer et qui verront que bon, cette équipe manifestement a envie de respecter le maillot qu'elle porte. Le club a donc dû recruter des joueurs d'expérience pour encadrer ces jeunes. Abdel Nasser Ouada est l'un d'entre eux. L'international algérien formé à Nancy a 300 matchs professionnels à son actif. Je pense que c'est surtout la justesse de mes passes et puis mon envie d'être collectif, je dirais, parce que j'ai presque plus envie de faire la passe décisive que de marquer, donc d'apporter ça un petit peu au groupe, parce que je vois qu'il y a beaucoup de qualités, beaucoup de joueurs qui savent dribbler. Si on arrive à travailler et à faire le choix de dribble et de passe à bon escient, je pense que beaucoup de joueurs peuvent être redoutables dans cette équipe. Un début de saison placé sous les meilleurs auspices, seule ombre au tableau, le public, le club aurait pour l'instant du mal à remplir son stade.